Petite vidéo d'entraînement, quelques exercices de piano. Le matin, comme ça, quand vous vous réveillez, les week-ends, comme ça, c'est des petits exercices que vous pouvez faire pour vous entraîner. Je me mets sur la gamme de do. Ma main gauche, donc, on dit le pouce, l'index, le majeur, annulé, auriculé. Donc, mon auriculaire, ma main gauche, sur la note de do, mon pouce. Sur la note de sol, donc sol c'est ma tonique, pardon, c'est la dominante de ma gamme et c'est la quinte de l'accord de do. Donc je suis comme ça. Finalement, en fait, je vais dire annulé, oui, auriculé, annulé. Donc l'annulé sur le ré, le majeur sur le mi avec la main gauche, l'index sur le fa. Et le pouce sur le sol. Ça, c'est la main gauche. La main droite, donc je commence par le pouce. Les 5 premiers degrés de ma gamme. Donc sur l'octave, je laisse une octave au milieu. Donc je suis comme ça. Vous voyez, je suis positionné. Je laisse tomber le pied du sustain. Je suis comme ça. Ça, je n'aplatis pas mes doigts. Non, c'est pas, c'est très important vraiment. Il faut qu'il y ait, comme je dis toujours, ce creux là au milieu, comme si vous teniez une pomme entre vos mains. Donc, vous criez ça comme ça. Et donc, vous jouez chaque note en fait. Chaque, parmi les 5 premières notes de l'accord, de la gamme, plutôt, vous jouez. Avec chaque doigt. Donc, il ne faut pas que les deux doigts jouent en même temps. Au moment où le pouce lui joue, les quatre autres sont soulevés, quoi, sont en l'air. Donc, lui descend, lui se lève, lui descend, lui se lève, lui descend, lui se lève. C'est pour travailler vraiment les doigts, pour travailler. La dextérité au niveau des doigts pour solidifier aussi les muscles au niveau des doigts, au niveau des doigts en fait. Je peux mettre le métronome. Si vous voulez, vous pouvez faire seulement une seule main d'abord, après vous changez de main. Sur la note de mi qui est juste à côté. Et là, mes deux pouces sont symétriques par rapport à la note de ré. Je vais maintenant poser mes autres doigts sur les notes qui suivent, chaque fois avec une distance de un temps. Donc, si je quitte ça, cette note de mi, la note qui est à un temps de mi, c'est fa dièse. Ensuite, j'ai sol dièse. J'ai si bémol pour la dièse. Et je retombe sur do. Vous voyez? Là, ça n'a rien à voir avec une gamme. C'est juste pour travailler les doigts. Cet exercice. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, je refais comme ça. Thank you.
du tout agréable. Mais le but, ce n'est pas de chercher un bon son là, c'est pour travailler les doigts. Travailler les doigts. Donc, je peux mettre un métronome. Je vais diminuer. Donc. Les deux mains vont, parce que tout à l'heure l'exercice là c'était symétrique, si vous remarquez bien c'était symétrique, mes doigts jouaient les mêmes notes en fait. Les pouces jouent à part le pouce là, et le à part le pouce ici, le pouce joue do, ce pouce joue mi, mais tous les autres notes là, ces doigts là jouent en fait les mêmes notes. L'index joue la même note, le majeur la même note, mais dans des octaves différentes. Vous voyez? Donc, on va dire, si je me mets comme ça, tout ce que je joue est symétrique. Maintenant, ici, je vais faire le sens contraire. Donc, je fais. Thank you.